C'est toi l'architecte. Ah ! Mon respirateur ! J'ai perdu mon respirateur ! T'en as pas besoin, l'air est respirable. Comme prévu, aucune trace de toxine ou de radiation. C'est ça que tu cherches ? Alors ? Apparemment, on est à la bonne époque. Mais pas au bon endroit. C'est à 2 jours de marche. Par là. 2 jours ? Mais c'est normal qu'on atterrisse aussi loin ? Le transport par téléportation comporte toujours une marge d'erreur. Sans compter que le protocole de voyage temporel est encore au stade expérimental. Ah ouais ? Et le fait d'atterrir dans la flotte, c'est normal aussi ou c'est juste moqué de la chance ? Après un bond de 10 000 ans en avant, estime-toi heureux d'avoir atterri dans un ruisseau et pas au milieu de l'océan. Parce que j'aurais pu atterrir dans un océan ? Oh ! Les gars ? Quoi ? On est en plein cœur de Paris. C'est encore loin ? Oui. Quoi ? Non, rien. Je me disais juste que si on avait pris sur notre planète qu'on prend soin de nos armes, on n'aurait peut-être pas eu autant de difficultés à la conserver. T'es en forme, toi. N'empêche, si jamais on tombe sur une saloperie, tu seras bien content que j'ai nettoyé mon matos. Ouais. Enfin, si tu pars du principe que la faune et la flore sont hostiles, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. J'ai pas raison, François. Oh, François. J'ai pas raison. Pardon, j'écoutais pas. C'est si intéressant que ça ce que tu regardes. On peut le voir. C'est un héritage de mon père. Qu'il tenait de son père et ainsi de suite. Et avec un peu de chance, celui-là, je serai le dernier à en avoir besoin. Désolé, hein, c'est pas hyper intéressant comme histoire, mais j'ai du mal à penser à autre chose. Oh mais du coup, on peut le voir. Fous-lui la paix. Chacun son travail, tu te rappelles ? Pas vrai ? Ouais, je suppose, ouais. Même lui, il le dit. Chacun son travail. Ouais, enfin... Quoi ? Bah non, c'est juste que... Enfin... Si on a fait un bon pareil à travers l'espace et le temps, tout ça juste pour débarquer avec nos gros souliers là, et tout dégommer sur notre passage comme les ancêtres à l'époque, on aurait aussi bien fait de rester chez nous. Fait chier. Faut préparer le bivouac. Eh, regardez. On dirait une pipe. Une pipe du futur. Alors ceci n'est pas une pipe. C'est une Candalerus kibarius, autrement dit une girole commune. On n'en avait plus vu depuis les tempêtes de pesticides. Par contre, ça se fume pas. Je sais. Je suis soldat, pas débile. Et là, c'est encore loin ? Oui. Et à moins que tu trouves un moyen de nous téléporter jusque là-bas, ça va être loin pendant encore un bon moment. Donc pas la peine de redemander. Ouais, non, moi la téléportation c'est bon, hein, j'ai déjà donné, merci. Non, mais je demande parce que je sais pas comment vous faites pour vous y repérer ici, moi je suis complètement paumé. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai du mouvement. On approche. C'est quoi ? C'est gros. Genre. Très gros. Là,
Magnifique. C'était quoi cette horreur? L'Oxondota cuclotis. De quoi? Un éléphant. Bon, de la rue, on y va. On y est, les gars. T'es sûr? Réception des données. C'est ça ton héritage? C'est plus qu'un héritage. C'est un cadeau. Adressé à nous tous. Et toutes les générations futures. Chance de repartir à zéro et d'effacer les erreurs de nos parents. Fin de transmission. On a réussi. Envoie le signal. Signal envoyé.